Qui, mieux que les habitants d'une ville, connaissent les problèmes de développement auxquels la ville est confrontée? Les dirigeants devraient donc consulter régulièrement les administrés d'une ville afin de trouver de bons angles de tir dans la gestion de leur ville. Un portail numérique Théma vient donc apporter des solutions pour une bonne collaboration entre les responsables d'une mairie et les populations. Le porteur du projet est avec nous dans cette émission. Il s'agit de M. Renaud Prouveur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci pour votre invitation. Vous êtes juriste, mais aussi PDG du groupe Spalian, une entreprise spécialisée dans le traitement de données. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, le portail numérique Théma? Oui, écoutez, vous l'avez rappelé dans votre introduction, les villes évoluent très vite aujourd'hui et les villes africaines sont confrontées à de nombreux défis. L'évolution de la population, des besoins en infrastructures, des besoins en école. Le principe de Théma est simple, c'est que tout citoyen peut télécharger l'application et avec cette application, il va pouvoir signaler tous les défauts urbains qui peuvent le pénaliser dans son quotidien, un trou dans la voirie, un réverbère cassé, mais aussi toutes les suggestions ou toutes les améliorations qu'il souhaite voir mettre en place dans une ville. C'est un projet qui est déjà mis en œuvre quelque part ailleurs. On peut citer la France, au Rwanda, entre autres. Est-ce qu'on a déjà des résultats de toutes vos actions? Oui, il y a très nombreux résultats. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour un gouvernant public de travailler comme cela se faisait avant. Les populations ont l'habitude d'utiliser des systèmes de logiciels, les populations ont l'habitude d'utiliser des applications dans leur quotidien, et donc l'objectif, c'est de créer ce lien qui soit permanent entre les concitoyens et l'élu local. Nous avons à peu près 150 villes déjà pourvues de l'application Théma, et en général, nous constatons trois résultats, une diminution par 6 du temps de traitement, le fait que très rapidement, 10, 20, 30% de la population adopte l'outil, et puis des économies d'échelle extrêmement importantes en matière de gestion de services publics. D'accord, on va parler du projet et de cette interface et ce portail numérique de façon pratique. Comment il se présente? Alors c'est très simple. La collectivité, et en l'occurrence nous allons parler ici en Côte d'Ivoire de San Pedro, puisque ce sera la première ville d'Afrique de l'Ouest à engager ce travail-là avec Théma, la collectivité, elle, va mettre à disposition des habitants de San Pedro cette application. Ils pourront la télécharger, c'est gratuit. Lorsqu'on reçoit l'application, on peut très facilement signaler ce que j'évoquais, un problème sur la voirie, suggérer une amélioration, la création d'un parc par exemple, ou bien féliciter la ville, parce que c'est important aussi de reconnaître tout l'engagement des élus locaux en matière d'amélioration. De son côté, la ville, elle, chaque fois qu'un signalement est réalisé, cela arrive sur un portail spécifique que les services de la ville vont manager, et donc ça va orienter la demande vers les bons services concernés. Il s'agit là d'améliorer la qualité de service public, mais aussi surtout d'améliorer le travail des agents municipaux qui ont en charge de préserver ces espaces partagés. À titre de résultat, la France, oui, vous l'avez déjà appliqué là-bas, mais le Rwanda, je voudrais qu'on prenne le Rwanda, puisque c'est un pays africain. On sait aujourd'hui que le Rwanda, ou Kigali, est l'une des capitales les plus propres. Oui. Est-ce que ce projet a participé à cette embellie qu'on connaît aujourd'hui de Kigali? Bien sûr, c'est un élément moteur, effectivement, dans cette volonté d'améliorer la qualité de vie des habitants de Kigali. C'est d'autant plus fort en Afrique qu'il y a cette appétence forte, cette envie d'utiliser les nouvelles technologies. Et il n'y a pas de peur du recours à la nouvelle technologie. Souvent, lorsque vous mettez ce type d'outils dans un pays qui est coutumier d'avoir une administration qui fonctionne de manière assez classique, ça prend du temps à être mis en œuvre. Alors qu'en Afrique, il y a une ambition d'amélioration. Les populations jeunes, je le disais, utilisent beaucoup les applications aujourd'hui dans leur quotidien, mais même tous les actifs l'utilisent pour les relations avec la banque, pour les relations avec les transports. Donc c'est pour cela que c'est indispensable aujourd'hui pour un élu local de se mettre au diapason de cette attente de la population et de faire en sorte que lui aussi crée ce lien direct avec la population, justement en leur permettant de faire part de leurs doléances en temps réel auprès des services municipaux. Est-ce que, même si ce n'est pas le cas, il y a ce caractère de dénonciation qui est un peu dédain, est-ce qu'il n'y a pas de réticence par rapport au projet? Alors, il n'y a pas de dénonciation. Pour votre premier contact, je veux dire, oui. Est-ce que les gens sont ouverts totalement lorsque vous arrivez? Les gens sont ouverts, je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Quand vous regardez une population locale, en fait, en général, les gens sont au travail pendant que les municipalités sont ouvertes. Donc, on n'a pas de point de contact avec sa ville. C'est vrai. Et le week-end, la municipalité est fermée. Théma, c'est 24 heures sur 24. C'est un vrai lien.
c'est plus qu'une application, c'est une communauté de citoyens qui, ensemble, avec le décideur local, vont améliorer la gestion au quotidien. On ne dit pas tout et n'importe quoi sur Telma. Il y a des catégories. Donc c'est la ville qui ouvre les catégories pour définir ce que les citoyens vont prendre en charge, pour définir les sujets sur lesquels les citoyens vont participer, ce qui évite des délations. Évidemment. Mais ce n'est pas une délation de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas exiger d'un élu local qu'il puisse résoudre tous les problèmes de la ville. Beaucoup de ces problèmes doivent être aussi gérés par la population. Et c'est là où c'est très important. On digitalise la palabre, en quelque sorte. On crée ce lien permanent entre les citoyens et les élus, avec un but commun qui est d'améliorer la qualité de vie des espaces dans lesquels ils sont amenés à évoluer au quotidien. J'ai l'application Telma dans mon téléphone. Je marche dans une rue, je vois un trou dans le goudron ou bien dans un mur qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce que je fais? Je prends une photo ou bien... Alors, vous prenez l'application. D'accord. Quand vous allez cliquer sur l'application, automatiquement, vous allez être géolocalisé là où vous vous situez. Pas besoin qu'il y ait une adresse, le point de géolocalisation va fonctionner. Vous prenez en photo, ensuite vous accédez à un menu qui vous permet de définir quelle est la problématique que vous souhaitez signaler. Et ensuite, le signalement va directement au service de la ville qui, eux, vont le traiter en interne ou bien le déléguer à une entreprise. Ce qui est important, c'est d'intégrer que la priorité avec Telma, c'est justement de permettre à un citoyen de s'exprimer. Parfois, vous parliez de réticence tout à l'heure, parfois des villes vont avoir peur en se disant « mais si je permets cette expression à mes citoyens, est-ce que mes services ne vont pas se trouver débordés ?» C'est faux. En réalité, on vient casser la frustration. La frustration de ne pas être entendu. La frustration d'avoir l'impression qu'on n'a pas de point de contact au niveau de la ville. Et quand on ne peut pas parler à son élu, on lui parle à un seul unique moment, au moment des élections. Des élections. Et généralement, ce n'est pas pour lui dire des choses très gentilles. Donc Telma, c'est un moyen de créer ce lien, mais aussi pour les élus, de rendre compte de leur travail au quotidien, de la valeur de leur travail, de la valeur de leur engagement, parce que ce n'est pas facile tous les jours de gérer une ville. Vous avez choisi San Pedro, ou qu'est-ce qui a permis le choix du San Pedro? D'abord, c'est l'ambition de son maire, c'est un point important. Un projet comme celui-ci, il faut un courage politique, parce que justement, il faut être capable d'aller au-delà de cette peur, de se dire, j'ouvre la boîte de Pandore, est-ce que effectivement, je ne vais pas me retrouver débordé? En réalité, non. On le sait avec maintenant, Telma, c'est né en 2014 en France. On a déjà 9 ans de recul, on se rend compte qu'en général, cela permet aux services de la ville de bien mieux travailler. Donc, premier élément, une ambition politique locale. Et puis pour nous, c'était aussi un terrain de développement, un terrain d'expérimentation extrêmement intéressant. San Pedro, c'est une ville très dynamique, c'est une ville à la fois économique avec son port, c'est une ville avec une très forte population, c'est une ville qui a aussi un très gros potentiel en termes de patrimoine, en termes de tourisme. Donc finalement, c'est un symbole de tous les défis que doivent relever les villes africaines en matière d'éducation, d'attractivité, d'attractivité économique, mais surtout de qualité de vie au quotidien. Que doit-on attendre des populations pour la réussite d'un tel projet? Bien, de participer, déjà. Ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi, côté population, changer de posture. Il faut aussi comprendre que des services publics, ça se protège. Et que c'est à eux aussi de les protéger. Parfois, d'ailleurs, des problématiques locales viennent d'un problème de comportement. Donc, il y a un côté éducatif dans Telma aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est que les populations téléchargent l'application. Ce ne sont pas que des doléances que l'on va signaler. Quand j'ouvre l'application, je peux signaler un problème. Je peux aussi suggérer quelque chose. Suggérer, comme je l'évoquais tout à l'heure, la création d'un nouveau service. Je peux féliciter la ville et il faut féliciter la ville parce que c'est important aussi pour un élu d'entendre ce qui plaît à la population. Et côté ville, il y a une information descendante, c'est un point essentiel. On peut envoyer des actualités, on peut envoyer des alertes, s'il y a une alerte inondation dans un quartier par exemple. Et puis, il est possible pour un élu de faire de la consultation publique pour recueillir l'avis de sa population sur un projet ou sur un besoin particulier qu'elle souhaite effectivement mettre en valeur. Le projet n'est pas uniquement axé sur les villes. Et non. Il y a d'autres plans ou bien d'autres pans de ce projet qui doivent être connus. C'est tout l'enjeu de Telma. Une ville comme San Pedro est une ville ambassadrice. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a fait le choix d'assurer une véritable politique de qualité de service en mettant en place l'application. Mais par défaut, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens peuvent d'ores et déjà télécharger Telma, et je les invite à le faire, puisque Telma, c'est aussi un lanceur d'alerte environnementale. C'est une application qui va permettre, lorsque l'on se promène en forêt, lorsque l'on se promène le long de la côte, de signaler la pollution, les feux de brousse illégaux, tout ce qui peut porter atteinte à l'environnement. L'Afrique, et principalement la Côte d'Ivoire,
C'est un patrimoine incroyable de richesse et de diversité, et c'est aussi à ses habitants de protéger ce patrimoine. Donc, par défaut, Telmas est un outil de lanceur d'alerte environnementale, et ensuite, quand une ville souhaite la mettre en place, eh bien, elle assure une continuité territoriale, c'est-à-dire qu'elle permet aussi à ses habitants de signaler des atteintes aux espaces urbains cette fois-ci. Quelle est la différence, ou à quel niveau ces deux factions ou ces deux groupes se séparent? Il y a ceux qui sont à San Pedro, ceux qui vivent dans la ville de San Pedro, oui, et qui utilisent tellement pour le développement de San Pedro, et ceux qui sont sur toute l'étendue du territoire national. Comment est-ce qu'une personne qui est en Côte d'Ivoire quelque part fait la différence, ou bien comment l'application fait la différence entre ces deux personnes pour ne pas que les informations soient mélangées, je veux dire? Eh bien, c'est justement l'application qui fait la différence. Lorsqu'on lance un projet comme celui-ci, nous allons dessiner les contours de la ville de San Pedro, ce qu'on appelle un polygone, et l'application par elle-même sait que lorsqu'un signalement est fait à l'intérieur de ce polygone, ce sont les catégories qui correspondent à la ville, la signalétique, les remblais illégaux, les problématiques de circulation routière. Et lorsqu'on sort du périmètre, lorsqu'on passe la frontière de la ville de San Pedro et que nous nous trouvons dans des espaces naturels, eh bien automatiquement, ce sont les thématiques des espaces naturels qui vont prendre le relais. Ce qui permet à un citoyen de ne pas avoir à définir à quel endroit il est en fonction de sa position. Soit il est dans un espace naturel et il signale une atteinte aux espaces naturels, soit il est dans la ville et il signale une atteinte à la ville. C'est clair, la Côte d'Ivoire a une pénétration Internet très élevée, bon, par rapport à la sous-région, par rapport à en Afrique, mais il y a toujours encore ce manque qui est là. Est-ce que l'application est utilisable partout? Elle est utilisable partout, ça aussi nous y avons pensé. Quand, vous savez, même en France, hein, nous avons des problématiques de zones mal couvertes. Nous avons des très belles communes, pour ceux qui connaissent un peu la France, comme Fontainebleau. Vous avez la grande forêt de Fontainebleau. Mmh. Vous n'avez pas toujours la couverture. Quand vous allez prendre l'application, de toute façon, vous pouvez toujours faire un signalement. Et le signalement partira vers le service concerné au moment où vous serez couvert par un réseau. Mmh. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus. C'est un vrai courage politique de la part d'un élu de décider de mettre en place cette application. C'est un courage politique et puis c'est un pragmatisme politique. Parce qu'aujourd'hui, je le disais, la population a coutume dans son quotidien d'utiliser des applications pour gérer les grands enjeux de sa vie quotidienne. C'est incohérent qu'elle ne puisse pas le faire sur une ville. Mais pour l'environnement, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Si vous prenez un citoyen ivoirien, à quel moment il entend parler de l'environnement? D'un côté, dans des rapports scientifiques internationaux, comme le GIEC. Qui a lu les 4000 pages du dernier rapport du GIEC? Ou de l'autre côté, parfois, dans des discours politiques internationaux qui reposent sur la culpabilité. Pourtant, la question environnementale, nous la vivons au quotidien, nous la connaissons, le dérèglement climatique, nous en voyons les effets. Il nous semblait important chez Spalian de redonner la parole aux citoyens pour que cette clameur, cette sagesse, cette palabre publique puisse voir le jour et être entendue à plus haut niveau. Pas simplement en Côte d'Ivoire, mais bien au-delà, sur un plan international. Ce sera votre dernier mot? Un dernier, si vous en avez? Bah écoutez, mon dernier sera pour vous remercier effectivement pour cette émission et puis inviter bien entendu tous les citoyens de Côte d'Ivoire avec un regard assez particulier pour les habitants de San Pedro à télécharger Telma et à participer à cet élan citoyen, non seulement pour avoir un geste fort sur l'environnement, mais aussi un geste fort sur un plan municipal, ce sera le cas à San Pedro, et puis rassurer les élus puisque nous avons 9 ans d'expérience avec Telma dans de très nombreuses villes. En réalité, il s'agit de se mettre au diapason des outils que leurs concitoyens ont l'habitude d'utiliser. Et il vaut mieux offrir un espace à sa population pour qu'elle puisse s'exprimer, un espace qui permet d'entendre leurs légitimes doléances, plutôt que de les laisser se répandre sur des systèmes de réseaux sociaux américains dont on ne maîtrise jamais le contenu, dont on ne maîtrise rarement également les effets, alors que lorsqu'on met en place Telma, eh bien, on met en place un espace, une communauté d'échange entre un élu local courageux et des citoyens engagés pour la préservation de leur ville. Merci beaucoup, Monsieur Prouveur Renaud. Merci. Vous étiez sur notre plateau pour parler de votre projet Telma, un portail numérique pour la gestion de nos villes, mais de l'environnement aussi. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.